Joël Dechèvre vous accompagne pendant tout l'été sur BFM TV, en direct du golfe du Morbihan, où il fait un temps magnifique. Avec deux chefs, puisque c'est un duel. Le premier, Sylvain Guillemot, en forme. L'auberge du Pont d'Assigné à Noyal-sur-Vilaine, dans l'Ille-et-Vilaine. Et le 44 est dans la place, la Loire-Atlantique avec Jean-Yves Guéhaud du restaurant L'Atlantide. Table et saveur de Bretagne, évidemment. Le thème du jour, les huîtres. Alors Jean-Yves, ta petite idée, toi ou pas ? Je vais faire des huîtres. Les huîtres à la diable, avec une petite sauce diable. À la diable, alors que tu nous expliques ce que c'est quand même. Avec un ketchup un peu relevé, quoi. Un peu de gingembre. Avec quoi tu coupes ton ketchup ? Un peu de vin blanc, un peu d'huile de sésame. Je vais rajouter un peu d'ail. Bon, alors je reviens, je te laisse faire l'ail. Monsieur Sylvain, on en est où là ? Tu les as ouvertes, les huîtres. Je les ai ouvertes, ensuite. Elles sont là. Et puis derrière, chou-rave. Je vais en faire de grandes tranches qui vont me servir à faire une raviole. On va retirer gentiment les huîtres en égouttage. L'eau des huîtres va nous servir à mariner. Les fibres salées vont complètement assouplir la tranche. On va effeuiller un peu d'estragon dans notre pilon. Des courgettes. J'aime beaucoup cette courgette blanche. On va râper la petite courgette qui va nous amener en fait la purée de liaison de notre estragon. Et donc je pile. Sur le marché, on a trouvé des artichauts. Des artichauts cuits que je vais effeuiller, récupérer le cœur, faire une purée. Il y a le voisin qui bricole. Il y a le voisin qui bricole. Là, c'est comme un petit pesto. Hop, comme ça, on met un peu de fraîcheur en fait sur notre recette. On va prendre les huîtres. Elles sont bien égouttées maintenant. Très bien égouttées. Qu'on va déposer comme ceci, en plein cœur de notre raviole. Et il pleut du citron. Un petit trait d'huile d'olive. La claque d'eau de mer, quoi. Dans l'idée, c'est ça. Bon, je reviens. Je vais rajouter l'huître hachée. Parce que je vais rajouter un peu de ciboulette. Ça, tu vas en faire quoi, hein ? Mais là, je vais dresser au milieu de mon assiette. J'ai gardé quelques feuilles. Et ensuite, la sauce diable. Ah, qui me sert de socle pour chaque huître. Voilà. Je vais mettre délicatement les huîtres. Bon, alors je m'absente et il se passe des trucs, en fait. J'ai épluché mes betteraves en attendant. Ici, l'eau de mer, on râpe la betterave dessus, la pâte, on va la mixer avec le jus d'un citron. Et là, c'est quasiment terminé. Là, on va dresser la petite écume. On va vraiment la mettre le plus proche possible. Duel de chef, c'est fini pour aujourd'hui. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Je vais avoir un juge de paix que je vais faire venir. On retrouve évidemment les recettes des chefs de Table et Saveurs de Bretagne sur le site de BFM TV. Yvonique, vous êtes appelé à table, puisque vous êtes le stréiculteur qui a eu la gentillesse de nous fournir les huîtres. Moi, je vous laisse. Je souhaite de bonnes vacances. Philippe, messieurs, j'espère que c'est bon. Ah, c'était l'idée. Il n'aime pas la bête. Aïe, aïe.